Et bonjour tout le monde, Soximose. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft. Et aujourd'hui les amis, on va se crasher en avion. Enfin voilà, je pense. En tout cas, on va essayer de s'échapper d'une île déserte. J'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, pensez à lâcher un gros pouce bleu. Et bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je sors des vidéos tous les jours. D'ailleurs, merci encore une fois. Ça fait 5 jours que je vous remercie pour les 400 000 abonnés. Mais là, je les ai atteints à l'heure où je tourne cette vidéo. C'était pas le cas les autres fois. Et ça fait bizarre, voilà. Mais allez, go au 2 000 000 d'abonnés les amis, 500 000 abonnés, ça serait énorme. Et voilà, merci beaucoup. Et un gros merci à tous ceux qui s'abonnent chaque jour. Donc voilà, alors c'est parti, regardez. On est sur une map Vertex, voilà, il fait coucou et tout. Et on va jouer. Alors normalement ça se joue à 2 joueurs, sauf que je suis trop pauvre pour acheter un serveur Minecraft. Du coup, mon player 1 c'est moi, et mon player 2 ça va être une bûche. Voilà, ça va être une bûche. Allez, c'est parti les amis. Vertex création, 3, 2, 1. Go, take a vacation. Ok, prenez des vacances. Allez, c'est parti les amis. Alors, du coup là, on arrive dans un aéroport. Alors, vol A01. Ok, towards, ok. Départ à 6h43. Et le vol numéro 2, qui est à 5h52. D'accord. Ok, ok. This time you can go on a vacation, have fun. Donc voilà, cette fois-ci vous pouvez prendre vos vacances. Il a dit quoi? Oh, il y a un coffre là. Have fun, ok. Alors, plane ticket. Ok, il y a un ticket de. Ok. Alors, flight attendant. Ok, salut. Alors, ça doit pas être moi celui-là. Hey, flight attendant. Ok, c'est le deuxième. Ça a l'air, tu as l'air d'avoir perdu ton ticket de transport. Ah bah non, mais du coup je l'ai mon billet d'avion. Tu as l'air d'avoir perdu ton billet d'avion. Ok, en fait il fallait le chercher. Bon bah je l'ai trouvé directement en arrivant. Ok, bon bah très bien. Du coup on doit le mettre là. Ok, nickel. Attendez, attendez, il y a un avion là. Je voulais juste voir, ok c'est l'avion dans lequel on va rentrer. Donc je vous spoile pas, mais je crois qu'il y aura des petits problèmes dans l'avion, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Allez hop, on rentre. Ok. Welcome to flight A02. Attendez, écoutez. I'm your captain, Kian. Oh, il y a des gens. Please find your seats. Il y a quelqu'un qui parle. Bienvenue à bord du vol A02. Je suis votre le capitaine Kellan. S'il te plaît, assieds-toi. Et il a l'air d'être fatigué, le gars. Je vais m'asseoir, hein. Je m'assois. Oui. Alors que se passe-t-il maintenant? Kellan, réveille-toi. Réveille-toi. Oh. We now have liftoff. On est maintenant, on a maintenant quitté le sol. We are now experiencing turbulence. Il y a des turbulences. Please return to your seats. S'il vous plaît, retournez à vos places. There is no danger. Ok, il n'y a pas de danger, nickel. Wow, wow. Il y a une explosion. Escape from the island. Oh les amis, les amis, on a eu notre crash, c'était ça. On s'est crashé, non. Il y a une île déserte. Oh, notre avion il s'est crashé. Bon bah les amis, je crois qu'on va devoir survivre ici à partir de maintenant. Alors c'est parti les amis. C'est parti, go, go, go. Oh merde. C'est quoi ça? Vous ne pouvez pas nager, merde, merde. Merde, vous pouvez pas nager. Mais comment je fais là? Ok. Vous ne pouvez pas nager, très bien, très bien. Ok monsieur, ok. Juste, music and sound, je vais baisser un peu. Il y a un coffre, une clé, yes, on a une clé. Ah, il y a des têtes de mort, c'est horrible. Comment on fait pour sortir si on peut pas... Voilà, on peut pas nager. Il y a des jumps là-bas. Oh, c'est trop dur ça. On va essayer, on va essayer. Tac, tac, tac. Ok. Ok, d'accord, ok. Ah oui, ça tombe direct. Spruce wood planks, ok. Bah ok, il y a que ça. Il y a que ça. On peut pas aller autre part. Et à mon avis, on peut aller en dessous ou pas? Bah là, c'est mort là. Il faut que je retourne... Comment ça se passe là? Il faut que j'aille comme ça. Ah, c'est peut-être possible. Non, c'est pas possible du tout. Il va me dire de retourner à ma place. Non, non, non. Ok, bon, j'ai compris. On ne peut pas nager. 1-1-1. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, ok. Donc, l'autre monde cache la réponse. Ok. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Hide in this cave. Ok, un autre monde est caché dans cette cave. Waouh, on voit 1, 3, 5. Ah ouais, on voit 1, 3, 5. Ah, c'est trop stylé. Ah, j'adore. C'est trop bien fait. Ok, donc 1, 3, 5, les amis. Donc 1,
2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Yes. A bolt will be very useful to escape this place. Ok, donc un bateau serait vraiment utile pour s'échapper d'ici. Par contre, j'ai pas assez pour me faire un bateau, j'ai que deux planches. Donc du coup là, c'est pas trop, on peut pas casser et tout. Donc on va devoir aller le chercher dans des coffres. Alors la map elle raconte quoi les amis? Elle raconte qu'en fait je me suis crashé sur une île où il y a eu des pirates qui sont passés avant moi. C'est pour ça qu'il y a des drapeaux pirates. Je suis encore tombé dans l'eau. Très bien. Alors du coup on a pas vu cet endroit là. Il y a encore une maison à explorer. Et là on a eu, ok. Moi j'ai envie d'aller voir un peu par là. Là ici il doit y avoir des trucs dans les rochers. On va y aller. Hop. Oh non mais non 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 non. Voilà c'est bon. Alors hop, parce que je fais que de tomber dans l'eau. Il y a que les il y a que le pirate lord qui peut entrer. Prouve que tu es le pirate lord. La clé. Est-ce que je suis le pirate lord? Bah écoutez, non, apparemment non. Alors du coup, il y a rien d'autre, je pense. Bah il y a rien d'autre. Je vais aller regarder plus en détail. Apparemment il n'y a rien d'autre. J'aurais peut-être dû regarder au niveau de l'avion. Il y avait peut-être d'autres trucs que j'ai pas vu, genre un coffre et tout. Mais apparemment il n'y a rien. Et il n'y a rien qui peut prouver que je suis lord. Donc pour l'instant on va rentrer à la maison. Enfin on va rentrer, on va retourner à l'extérieur. Je vous rappelle que le but c'est de s'échapper. On va aller par là tiens. On va aller voir la maison là. Et après on va aller au bateau pirate. Oh salut toi. Ok, il doit servir à quelque chose. Ok, walls that seems to be here have broken age ago. Ouais, d'accord, ça parle de murs. Ah, ok, ok, d'accord. Il y a des murs cachés. Ah ouais, attendez, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, murs, il devait y avoir des murs ici. Ils ont été cassés il y a des années en arrière. Ok, ok, alors là, il y a de la redstone. Alors, qu'est-ce qu'on est censé voir? Un indice Pirate Lord Quarters. A mon avis c'est un truc ici. Soit c'est un truc en dessous, soit c'est un truc là. A mon avis il y a un jump à faire là. Tac. Et là. Ah purée, je suis trop fort. Et là il y a, d'accord, ok. Donc là il y a l'anneau du Pirate Lord. Donc du coup on y retourne, voilà. Oh mais c'est parfait, c'est parfait. Ok, et là du coup on va aller voir justement les rochers là-bas. Est-ce qu'il y a moyen d'aller voir ici? Ah non, bah non, je vais retourner au début. Ah peut-être pas. Ah si. Non non non. Pourquoi ça me fait ouais, c'est bizarre. Alors on va aller voir ce qu'il y a ici. Apparemment il y a rien. Donc du coup je me suis trompé. Il y a que dalle. Bon bah c'est pas grave. Hop. On fait ça. Et non, je ne veux pas retourner tout à l'heure à la base. Ah bah voilà. J'y suis retourné. Bon du coup c'était par là. C'était par là. Et j'espère que... Ah, j'ai cru que c'était un coffre. Alors là normalement ça va débloquer quelque chose du coup. Ça va, on n'est pas mauvais pour l'instant. Juste que je sais pas pourquoi j'arrête. Mais arrêtez. Pourquoi ça me fait tomber dans l'eau comme ça en fait? C'est ça que je comprends pas. Alors du coup hop, c'est bon, je suis le pirate lord. Ok, waouh, les échelles elles sont stylées. J'ai gardé ma ring. Oh là là, oh là là, le trésor du capitaine. Mais je l'ai trouvé ça. Spruce planks, ok nickel. Là y a rien. Je regarde un peu, là il y a une tête, ok, là il y a rien, et ok, bon bah c'est bon, j'ai récupéré du bois, il m'en faudra plus pour faire un bateau, mais c'est déjà pas mal, ouais d'accord, là il y a rien d'autre, on va aller voir là-bas, c'est l'endroit où on n'est pas allé voir, sinon on est allé voir partout, peut-être qu'il y a un coffre qu'on aurait loupé ici, c'est très probable, donc on va aller voir, alors... Est-ce que... Alors là, il y a un château de sable, d'accord. Les pirates s'amusaient à faire des châteaux de sable, je ne savais pas. Il y a du sang ici. Ici, il n'y a pas grand-chose. Non, pas Siri. Désolé, Siri. Alors, ça se trouve, je suis en train de grimper à un truc. Ne me dites pas qu'il y a des trucs en haut des arbres parce que c'est très chiant à aller voir. Non, à mon avis, il n'y a rien. Il y a un perroquet là-bas. Et ouais, ok, c'était juste, voilà, info nulle. Perroquet. Often secrets just below. Ouais, ça c'est juste derrière, ok. Et voilà. Donc on va aller voir là-bas maintenant, c'est l'endroit où on n'est pas allé voir. des fois il y en a plus, mais d'autres. Des fois il y en a moins, d'accord. Alors des fois il y en a plus, des fois il y en a moins. De quoi il parle? Oh là, déjà il y a une maison.
Il y a, il enlève, ça enlève toute l'eau. Il y a plus des, ok, ouais. Alors des fois il y en a plus, des fois il y en a moins. Oh là, c'est des blocs. Ah non, c'est pas les blocs. Oh, ok, il y a la flamme, c'est trop stylé ça. À mon avis, ça doit être ça. Faut se rappeler de l'endroit. Hein. Des fois, peut-être c'est des cailloux, des fois il y en a plus, des fois il y en a moins. C'est des indices, hein, voilà. Là, je dirais qu'on peut aller traverser tout droit. Ah, yes. Et là, on a une hache. Ah, ça, ne me dites pas que ça va me permettre de couper du bois. Si, ça va permettre de couper du bois. Mais quel bois, les amis? Des fois il y en a plus, des fois il y en a moins. Est-ce que... Ah, mais il faut peut-être... Attendez. Peut-être qu'on peut couper le bois qui est là. Non. Ouais. Je sais pas si on peut couper le bois qui est là. Des fois il y en a plus, des fois il y en a moins. On va y retourner, c'est parce que si c'est ça, c'est intéressant. Non, mais non, non, ça recommence pas. Non, mais non. Pourquoi? Ah ouais. En fait, ça bug. C'est ça qui bug. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, on va faire ça, ça, ça. Sinon, peut-être que le bois, là, on peut pas le récupérer. Non, du coup, on peut pas le récupérer ici. On peut pas récupérer ça. Donc il faut récupérer. Non, il faut récupérer quelque chose. Il faut récupérer du bois finalement. Ah, attendez, non, can break jukebox. C'est ça, sur des maps, je me suis déjà fait avoir. En fait, faut regarder ce qu'on peut récupérer. On peut récupérer un jukebox, voilà. Et le jukebox, on l'a vu au début, il est là. Ok, et ça ramène du bois, d'accord. Donc là, on a 4 bois. Yes, sauf qu'il en faut 5. Sauf qu'il en faut 5, les amis. Est-ce qu'on n'aurait pas oublié un jukebox, là-bas? Il y avait quoi, ici, déjà? Il y avait pas grand-chose. On va y retourner. Ah, attendez, il y avait rien du tout. Alors, c'est bien gentil le jukebox, mais là, on a une clé. La clé, c'est un tripwire, d'accord. Mais elle ne sert à rien non plus. Avec ça, on peut rien crafter, je suppose. Bah, si. Non, on peut pas faire de bateau. Je vous ai dit, il en faut 5. Donc là, en fait, on a une clé. On a récupéré plusieurs trucs, mais... En fait, je pense qu'il y a des endroits qu'on n'a pas encore vraiment explorés. Genre, par exemple, l'avion, on n'a pas tout vu. Ça on a vu. L'île on a vu, on a récupéré un truc. Au niveau du bateau là-bas et de l'avion, on a rien récupéré. Peut-être les boîtes on peut les ouvrir. Non, on peut pas les ouvrir. On va aller voir là-bas. Les amis, pas de panique, il faut pas s'énerver. Hop, hop, hop. Il faut aller voir juste là. Y a rien. Ok, y a rien. J'ai pas envie de mourir, voilà. Et là, il n'y a rien non plus. Peut-être que sous l'eau, il y a des trucs qu'on n'a pas vu et qui sont sous l'eau. C'est très probable. Hop, on va faire ça. Non, il y a vraiment que dalle. Bon, bah là, les amis, je suis en train de sécher un peu. Je vois pas ce qui pourrait... je vois pas ce qui pourrait nous faire avancer. Peut-être dans les arbres, mais oui. Peut-être qu'il y a... Mais oui, il y a un jump. Mais depuis le début, je suis en train de le faire, ce jump. C'est sûr qu'il y a un truc, les amis. Pourquoi je m'embête? C'est sûr qu'il y a un truc, là. Mais oui, regardez, il y a des... Ah, faut que je saute bien, mais il y a des échelles. Et je me dis depuis tout à l'heure, en plus, je sais qu'il y a un jump, mais je le fais pas. Hop, voilà. Là, on fait ça. Voilà. Jump. On va aller là. Ici, il y a encore un jump. Voilà. Alors, tombe à travers le cercle de la vie pour activer le succès. À travers le cercle de la vie, mais de quoi il parle ? C'est ici. Mais de quoi il parle? Ça me tue, ça, le cercle de la vie. Le cercle de la vie. J'ai le ring, et j'ai pas le cercle de la vie. Et toi, t'es là, tu fais rien. Alors, attendez. Circle of life to achieve le success. Il faut se tuer? Il faut pas se suicider, quand même. Attendez, il y a un truc, là. Non, non, c'est sur l'arbre, mais il y a rien. Ouais. C'est bien gentil tout ça, mais moi je vois rien là. Le cercle de la vie. Il y a un truc dans l'eau. Ça se trouve, vous le voyez et moi je suis trop con, je le vois pas. Ou à moins qu'il faut juste se suicider bêtement, mais. Mais si c'est ça, c'est. Ah, c'est ça le cercle de la vie! C'est ça, c'est sûr! Je saute. Wow! Hardcore, les amis, hardcore! Wow! Return, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, ah, là il faut mettre la clé. Wouh! Ok, et là on a 5 bois. C'est parfait ça. Ouh, wow, c'est trop bien, return. Et là les amis, on va pouvoir s'échapper. Oh oui, oh, elle est magnifique. Purée, cette map est vraiment géniale. On fait ça, on fait le bateau et là on peut s'échapper. Alors par où on s'échappe? Ah, escape successful, c'est bon.
C'est bon, on s'échappe les amis, on s'est échappé. On a réussi à s'échapper de l'île des pirates. Oh oui les amis. Nickel, bon c'est sympa. Voilà, donc on peut pas aller plus loin. Et je pense que la map elle est terminée. Je sais pas s'il y a d'autres trucs qui vont apparaître. Mais voilà. Mais en tout cas super les amis, c'est cool, on a réussi à s'échapper. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Bon, bref les amis, j'espère que ça vous a plu cette map. On devait s'échapper du coup de cette île de pirates abandonnée et tout. On s'est crashé en avion. Et voilà, hop, on va passer par là et on va s'enfuir. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était super cool. N'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à la liker, pensez à la partager, c'est le plus important. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous aime et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Oxymose pour vous servir. Allez, ciao.